Vous connaissez parfaitement qui est qui dans ce groupe. Monsieur le procureur, sur mes 200 de ma maman, Ansamigri Malima, si je devrais aider quelqu'un, c'est le président Dadis. C'est le premier que j'ai connu. Tous les autres là, je les ai connus après. Si je devrais couvrir quelqu'un, c'est président. Parce qu'il me donnait. Donc, ici-là, c'est pour dire la vérité. Voilà. Donc, tous ceux qui sont dans ce box, individuellement, vous les connaissez. J'ai connu tous dans l'affaire là. Mais il y a un là-bas, commandant Toumba. Mais ce n'est pas dans l'affaire là que je l'ai connu. Je l'ai connu avant les prises de pouvoir par président. Parce que des fois, Là-bas, on se rencontrait à Kalfa, Dénal Kaba 43. Ah, une autre fois, En sortant, il a dit une débande matima à Kansamouli à faire mes menus. Voilà, c'était ça. Donc, après la prise de pouvoir par le CNDD, CNDD Tomangaya Tongo, vous avez eu une résidence au Kalfayaya, vous le confirmez? Et il y a une des sonnets Kalfayaya, et en Lingire, il m'a donné un dit. Oui, c'est ce que je vous ai dit comme ça. Le temps fournira un bâtiment. Le bâtiment de l'État Founi là. Ah, comme Makambo a bâtiment, il y a la fin de l'État Founi là. Vous savez, le bâtiment de Makambo fait face au bâtiment de l'État Founi. Mais l'État Founi est au deuxième étage. Mais l'État Founi était au deuxième. Moi, j'étais au premier. Chambre de Naïra, mais la chambre de passage. À Madame Boumadende, il y avait une chambre là-bas, chambre de passage où il se repose. Voilà. Il y avait ça là-bas. Rallonde. Jusqu'à un jour. J'ai oublié le passage. Après 28 septembre, Marcel, il connaît. À Londres, il y a une femme qui avait quitté, je ne sais pas, vers Kindia. Quand ils ont pris le pouvoir, toutes les femmes qui sont à l'intérieur, ils sont venues à Kalfaya. Il avait une là-bas à sa disposition. Oh, c'est bon. Hein? C'est bon. Est-ce que vous confirmez que vous, en ce moment, vous étiez informé de la préparation de ce qui devrait arriver au 28 septembre, vous? Et quels sont les éléments précis que vous aviez pour mettre à l'appréciation du tribunal que vous étiez informé de la préparation des événements du 28 septembre? Ce qui devrait arriver, c'est massacre. Et le 28 septembre, des éléments précis. L'acteur principal, c'est le président Dadis. Le parrain dans le show là, c'est Gono Sangari. Le parrain, c'est Gono Sangari. Vice-parrain, Idrissa Chérif. L'ivoirien là. L'ivoirien. Le conseiller du président Dadis. Son allégeance, c'est Kégoro. Alors, voilà. Prenons le président Dadis. On a le président Dadis Bétongo. Puisque c'est lui qui comparait, il est renvoyé devant son tribunal. Dans la préparation du massacre du 28 septembre, qu'est-ce que vous avez vu ou vous avez entendu que le président Dadis posait à dessein de préparer ce massacre? Monsieur le président, faut que vous ayez aidé. On va courir Mali. Qui préparation bien là-bas, monsieur? Les préparations de là sont vers quoi? Tous les plans là, c'est tuer ce à Konati. Ah. Parce que c'est
Tu es ce pas à Konatia parce que ce pas Konatia va l'empêcher pour quitter le pouvoir. Donc tout ce plan là c'était pour tuer ce Sekouba Konaté parce que lui il l'empêchait pour quitter le pouvoir. Parce que en ce moment Toumba Fanou Konaté débarre enfin. Donc on fait Toumba éliminer et va ça Sekouba Konaté. Et plan ça en est clair. C'est tout ça préparé par président Dalis avec Kegourou. Tout le monde aussi était d'accord avec président Dalis. Il fallait l'éliminer pour atteindre Sekouba. Donc c'est comme ça, ils connaissent, c'est comme ça, ils ont programmé ça. Monsieur Touré, ce que monsieur le procureur a posé comme question, ce qu'il veut savoir, c'est qu'est-ce que monsieur Moussa Dadis Camara a fait dans la préparation des événements du 28 septembre. Awama Kolomfene, monsieur Moussa Dadis Camara a Mousseraba, a Yaïla Nkima Fouté, dans ma préparation 28 septembre. Voilà. Lui, c'était pour conserver son pouvoir. Nous, on a été tous approchés, c'était pour ça. Pour qu'il reste. Comment il peut s'installer au pouvoir? Mais 28 septembre, la préparation. Mais les préparations de 28 septembre. Là où on est parti, où le diable est sorti là-bas, où il a eu peur, il a crié, il a voulu fuir. Donc on quittait Gono Sangaré, chez Gono Sangaré à 6h parce qu'ils ont bougé à 5h, nous ne sommes pas à 6h. Le matin là, ça, le 28 septembre, on peut préparer. Il était là-bas. C'est là-bas ils ont préparé le stade 28 septembre. Lui-même, c'est lui qui a financé tout. Mais le stade 28 septembre, organisation. Organisé qui en est. Il n'était pas là-bas. Marcel, lui, ne connaissait pas. Lui-même, en personne, il devrait le sacrifier. Parce qu'il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Le féticheur a dit tous ceux qui l'ont aidé pour avoir le pouvoir, il faut les sacrifier pour renforcer son pouvoir. Si toi tu quittes, celui qui doit venir aussi. Alpha Condé. Assisons à monsieur le procureur, ça c'est plus important. Après, tu as fait François, il faut avoir son Alpha Condé dans le système à Ramengaoui. Que tout ce que Alpha Condé gagne dans son pouvoir. Alors, on fait Alpha Condé. Tout ce que Dieu a donné à Alpha Condé. Il a présent Alpha Condé Fara. Il n'a qu'à tuer Alpha Condé. Namenga, c'est bien évidemment. Tout cette partie de responsabilité là va se retirer. Tout ce que le président Alpha Condé devrait avoir, c'est lui qui a à avoir ça. C'est bon. Alors, c'est comme ça qu'ils ont laissé l'argent. Étant voisin, ami, et au président Dadis, et à l'époque, vous étiez domicilié au camp Alpha Yaya. Est-ce qu'à la veille, il y avait des rumeurs au camp Alpha Yaya? Vous avez constaté également, à la veille, des réunions préparatoires en vue de prendre des dispositions à l'effet de commettre ce massacre le 28 septembre. Est-ce que vous personnellement? Alors, il t'offre finir de rebourrer. Nous, il n'a qu'un nankui. Président Nana, est-ce que Kouyeba Manafke Walima, est-ce que Colon Sotone réunion Dema, Khamoun Falan Dema, il a fait ya l'enfer, ce qu'a fait le 28 septembre? Monsieur le Président, je vais dire la vérité. Nous, Nana. Mais, là-bas. Je te prends en otage. Je t'ai pris en otage. Mon homme a bougé parce que nous bougeons, nous et sans tout d'informer. Parce que si je bougeais et qu'ils n'arrivent pas à me retrouver partout, ils vont me retrouver, ils vont me tuer. Parce que nous avons mené Kegourou là, bureau. J'ai entendu ça Kegourou dans le bureau. Il dit si tu disparais de l'étendue de ces militaires là, c'est pas bon pour toi. Bon, ce que moi j'ai pu faire. Nous avons fait un présent Alpha Condé, Jeune Akaba.
Ce que moi j'ai pu faire, c'est ça. J'ai pu partir dire à Alpha Condé et je suis parti dire à Général Kaba. J'ai fait mon mieux. Non, non, on a un tout. Mais mon amour, je radio, bah, ou bien, ça va à Yigen. Non, et pas métier. Je voudrais savoir, monsieur Zoli. Ouais. Vous, personnellement, est-ce que vous avez eu connaissance des réunions préparatoires ou des actes de nature à commettre ces faits le 28 septembre? Et vous, personnellement, et vous avez vu qui est en train de préparer? Quel langue n'est malin indé? Oui, colon se tourne malin indé. Malin n'ira ni rien. On a rabafé. Il reste le 28 septembre. Quand mon kiawal indé, on a rabafé. Couillé, rabafé. Il fait 28 septembre. Voilà. Oui, fait brin tout. Oui, tout ça là. C'est un magicien indien qui frappe. C'est un magicien indien qui les a frappés. Parce que nawal indé la banne. Parce que lui, il a fait un travail. Ah bah, normalement, tant que vous avez dit, il n'y a rien à faire, modèle Yama. Sinon, ils ne devraient pas, moi, m'introduire dans leurs affaires-là. Parce que si vous avez dit, il n'y a rien à faire, et vous avez dit, il n'y a rien à faire. Donc, ils savent que je suis civil. Donc, magicien indien, je ne devrais pas, mais c'est le magicien indien qui a fait le travail-là. Pour que vous avez dit, il n'y a rien à faire, Yama. Pour qu'ils puissent m'introduire et que je puisse connaître leurs secrets. Et voilà tout. Donc, moi, mon rôle, c'est quoi? Moi, mon rôle, c'est quoi? Mon rôle, c'est ça. Quand les féticheurs viennent, pour tuer Toumba seulement, moi, mon rôle, c'était ça. C'était ça même. Et non, ce n'y a quoi, Mawali? Alors, ce qu'on m'a donné comme rôle. Je continue, hein, je poursuis. Est-ce que, à la veille, à la veille 25, 26, 27, vous avez eu connaissance, vous avez vu au camp Alpha Yaya, vous avez constaté la présence des éléments de recrues, les éléments de Kalea, les nouvelles recrues de Kalea, qui étaient venus et qui étaient entretenus par Gono Sangaré au camp Alpha Yaya. Vous, personnellement, est-ce que vous avez conduit cet état de fait? Na 28 septembre, ma kiri, quel fait 26, 27, est-ce que y colon sotone Kalea dimema et fa fait kankwimeni, na rien na Gono Sangaré? Et départ, il y a un. Ils ont fait le départ devant moi. Bienvenue là-bas, je ne connais même pas Napoléon. À nous connaître Théa. Bienvenue là-bas, je ne le connaissais pas. C'est ce jour-là que je le connais avec Colonel Théa. Et notre plan Bissa, maintenant, on a financé. Ils ont fait tout le plan là, mais celui qui a financé tout, c'est Gono Sangaré. C'est Gono Sangaré. C'est pour ça que nous avons fait la cour de Fanara. C'est pour cela que je dis à la cour de faire venir Gono Sangaré. Vous les avez vus au camp Alpha Yaya, les recrues de Kalea? Kalea. À la veille. Ah, c'est le massacre du 28 septembre. 28 septembre, ma Corée. Non, attention. Né tout facing, c'est tout, c'est un kilomètre 36. Quand ils sont venus, je les ai vus au kilomètre 36. C'est tout, mais c'est là-bas où je les ai vus. Non, commandant Toumba, Kali. J'ai appelé commandant Toumba. Comme on a fait Kali Ndirabane à mon frintagi. On a fait avec quoi? Fidèlement. Il y avait un serment entre nous, c'est pour être fidèle envers lui. Mais lui aussi, il a donc vous confirmez que depuis au kilomètre 36, vous personnellement, vous avez vu les recrues de Kalea. Donc il est dans sa Kalea, Dimeto, kilomètre 36. Avant le camp Alpha Yaya. Ben nous camp Alpha Yaya. Voilà, même je vais vous aider. Moussa Renkama. Je ne suis pas parti de moi-même. Je ne savais même pas que c'est là, il était là-bas. Massa Nansangli, Antongo, avec Garkoan et Branfoa. Mouna garde corps nassa, un kilomètre 36. Marseille qui m'a appelé, il m'a fait suivi des gardes-corps, nous sommes partis juste à kilomètre 36. Mais Mouna m'a accusé pour l'affaire 27 ans, hein, profondément. Bon, je ne peux pas l'accuser profondément pour l'affaire de 27 ans. Parce que Mouna Yakou. Parce qu'il ne savait pas. Parce que l'organisation n'a pas qui en arrêt. L'organisation, comment l'organisation a été faite? Amounana. Il n'était pas là. En tant que Goundiati, il a sacré fait, il a utilisé fait le dernier. Ça veut que le président, nous présentons Colombet. Monsieur Joly, ma question, le président plus que moi. Ma question n'est pas répondue. Question Mouyadire. Je voudrais savoir si vous personnellement, au kilomètre 36, vous avez vu les recrues venant de Kalea. Effectivement. Vous les avez vus. Et tourné Yara. Effectivement. Et tourné Yara. Et bon, et ça m'a plus de. Si camions, mais 7 camions, mais bien rempli. Camion est-il rempli? J'étais nombreux, 6 camions, les camions remplis. Ah, on a fait citer le féticheur de Guillaume Soro. Le féticheur de Guillaume Soro. On
Lui aussi, il les a distribués ainsi pas comme ça, mais il y avait le... Et Marie-Ri, na maillot chassina Nima. Ils étaient habillés en maillot Chelsea. Na kori fan Nima. Il y avait les kori ici aussi. Voilà. Et Marie-Ri, n'est-ce qu'il est? Qui les encadrait? Des n'est encadrés. Bon, n'est-ce qu'il est tantôt, non? Ce que j'ai vu là-bas. Général Baldé. Avec Colette Théa. Coplan Pivi. Gono Sangare. Makambo. Kegourou, l'appareil. Kegourou. Après, n'est-ce qu'il est entendu. Massa Fangoundi Yatana. Oh, Général Baldé, n'est-ce qu'il est entendu? C'est là-bas où Général Baldé m'a pris. Alors, on a fait suite à moi, ça a oué. De me prendre avec le fétichère pour aller chez lui. Avec Colette Kegourou. Ah, non, parce que Kegourou, parce que lui-même, il ne veut pas le pouvoir. Mais lui veut être riche. Il va avoir la richesse pour non, des, pour pas, pour des renommés. Donc, ce sont ces personnes qui entretenaient ces recrues de Kalia. Effectivement, c'est comme ça, moi j'ai vu. Ce que j'ai vu de mes yeux, monsieur. Expliquez-vous. Je vous explique. Il faisait d'autres réunions. C'est bon, s'il vous plaît. Est-ce que de là-bas, au camp, également, vous avez vu ces personnes? Est-ce que camp qui font, il a mis retourné? Les personnes que tu as rencontrées. Ils en arrêtent tout. Monsieur kilomètre 36, est-ce que les mêmes personnes, vous les avez vues au camp Alpha Yaya? Ils n'arrêtent tout, kilomètre 36, à Tandamirikirénie, ils m'étonnent à Alpha Yaya. Monsieur le procureur. Non, je voudrais, je ne peux pas. Mais n'est-ce qu'il est entourné? Ça veut dire que tu as massacré là-bas. Et moi, venez de Sende, Menib, à Alpha Yaya. Non, je l'ai dit, quand ils ont fini de faire le massacre, ils sont venus aussi au camp Alpha Yaya. Ils se promenaient là-bas.